Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17. Donc la première vidéo d'une longue série. C'était un abonné, quelqu'un en tout cas m'avait demandé vraiment d'acheter ce jeu. Il m'avait demandé si j'avais et si oui de faire une série et j'ai décidé de l'acheter et de lui faire plaisir. Donc j'ai le jeu en main, là il est actuellement sur la Xbox. Et on va tout de suite lancer une partie et commencer vraiment notre carrière dans le monde agricole. C'est un jeu de simulation, etc., de véhicules, etc. Donc ça me plaît et en plus ça fait plaisir à un abonné. Donc en tout cas, c'est vraiment totalement gagnant. Donc on va tout de suite partir en carrière et faire une nouvelle sauvegarde. J'ai déjà essayé juste une petite sauvegarde que j'ai supprimée pour voir les décors, voir si tout fonctionnait, etc. Je vous ai mis en tout début de vidéo la bande-annonce du jeu que vous voyez dès que vous lancerez le jeu. Et on va tout de suite créer notre nouvelle sauvegarde. Donc c'est parti. Les conditions de départ normales, la situation économique et les prix des cultures sont moyens. Vous avez déjà fait un emprunt raisonnable à la banque. Les commandes du jeu sont normales. Voilà, donc on va pas prendre le mode facile. Trop facile, ça sera pas intéressant. Trop difficile, je sais pas si on s'en sortira. Donc on va faire une partie en mode normal et peut-être un jour en mode difficile si on prendra bien le jeu en main. Donc nous avons deux cartes, celle de Sosnovka qui était disponible avant, je crois, j'avais entendu parler sur d'autres jeux, et la nouvelle ville qui est sortie dans ce Farming Simulator 17 qui est Goldcrest Valley. Donc je pense qu'on est d'accord, on va pas prendre une map qui existait déjà sur d'anciens Farming Simulator, mais plutôt celle-ci. Donc on va tout de suite faire continuer. Nous avons le choix entre deux personnages, nous on va prendre l'homme, et je vais le mettre en bleu. Alors je pense que vous le savez déjà, mais c'est ma couleur préférée, donc on va prendre ça. Alors la partie vient tout de suite de commencer, on est parti pour vraiment une aventure, j'espère qu'il va vraiment vous plaire, j'espère qu'on va bien s'amuser. Alors on est parti. Là on voit qu'il y a quelques conseils affichés à l'écran. En tout cas moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'intro de départ donne vraiment au jeu vraiment l'envie d'y jouer. Le chargement va se terminer. C'est parti, donc le chargement est terminé et on va tout de suite démarrer notre aventure agricole. Alors, est-ce qu'on veut commencer par une petite visite guidée? Alors, je pense que on va la faire, hein. Pour vous montrer, je l'ai déjà faite, mais bah, pour pas qu'en vidéo je sois perdu, etc. Mais sinon, je me suis vraiment arrêtée à la fin. J'ai pas, je voulais vraiment découvrir avec vous. Donc je vais, on va la faire. Au moins, je peux vous montrer. Donc là, on voit bien. Commencez par jeter un coup d'œil aux environs, puis contournez le bâtiment pour atteindre la grande moissonneuse rouge en bordure de champ. Activez le point d'interrogation à proximité. Et après, là, il nous montre comment on dirige le joueur, la vue du joueur et comment on agrandit la carte. Donc regardez-moi les décors. C'est vraiment magnifique. Moi dans mon micro j'entends le bruit d'oiseaux, les bruits des pas, etc. Mais le bruit du tracteur en répétition, j'ai préféré pas vous le mettre. Mais vous entendrez pas le son du jeu. Mais à part quelques bruits de tracteur, etc., il n'y a rien d'exceptionnel au niveau des sons que je voudrais vous montrer. Il n'y a pas de dialogue, donc ça ne sert à rien de les mettre. Alors on va faire les environs. Alors, où est-ce qu'elle est, la moissonneuse? Elle est là. Excusez-moi. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais vraiment mal à la gorge. Mais là, ça s'est amélioré vraiment bien, donc j'ai préféré vraiment refaire une vidéo. Donc, on va aller au point d'interrogation. Voici l'un des champs dont vous êtes propriétaire dès le départ. Le blé qui pousse est prêt à être récolté. Le moment est venu pour vous de monter dans cette moissonneuse batteuse pour découvrir les joies de l'agriculture.
Donc on va tout de suite monter. Les véhicules sont vraiment magnifiques. Ce sont des vraies marques, hein. Y a les droits d'auteur, hein. Non, enfin les droits d'auteur. Les droits des marques sont achetés. On va monter. Bien. Pour commencer, si vous jouez en mode difficile, démarrez votre moissonneuse-batteuse. En mode facile ou normal, elle devrait démarrer automatiquement. Attelez ensuite la barre de coupe de la moissonneuse située juste devant elle. Le panneau d'aide dans le coin supérieur gauche affiche toujours les fonctionnalités disponibles. Donc on va avancer. On va atteler. C'est bien. Maintenant, dépliez la moissonneuse et démarrez-la pour activer la barre de coupe. On va la baisser. Et on est parti. Vous voilà maintenant prêt à récolter. Avant de vous ruer sur les blés, vous pouvez régler manuellement la vitesse de votre véhicule ou utiliser l'aide des niveaux du régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse constante. Votre vitesse maximum est automatiquement déterminée par le véhicule et l'outil attelé dont vous vous servez. Donc on a les contrôles. On va tout de suite avancer. Regardez le réalisme. Vous vous débrouillez bien, cependant, la plupart du temps, vous aurez un tas de choses à faire. Il peut être donc utile d'engager des ouvriers. Dès qu'un travail peut être accompli par un ouvrier, une indication s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Engagez un ouvrier pour s'occuper du reste du champ. Donc là, on va embaucher un ouvrier tout de suite. Donc là, je n'ai plus le contrôle vraiment de la moissonneuse. Je peux juste me balader autour. Votre ouvrier va maintenant s'occuper de ce travail jusqu'à ce qu'il soit fini ou que la trémie de la moissonneuse soit pleine. Vous pouvez donc effectuer d'autres activités. Sortez de la moissonneuse et dirigez-vous vers le prochain point d'interrogation indiqué sur la carte. C'est vraiment très réaliste. On a vraiment la traînée. Alors, sur la mini-carte, où est le point d'interrogation? Il est là-bas. C'est vraiment des décors magnifiques. À ce que je vois, il nous indique en haut à droite la température, l'heure, enfin pas la température plutôt, la météo, l'heure et notre argent. Je vois qu'il est en baisse. Chaque seconde, à peu près, on perd un crédit. Je pense que c'est parce qu'on a engagé un ouvrier. Il doit travailler. Et être rémunéré. Donc on arrive au point d'interrogation. Les champs qui ont été récoltés doivent être travaillés avec un cultivateur avant de pouvoir être à nouveau ensemencés. Ce champ a été récolté récemment et sa terre a besoin d'être travaillée. Entrez dans le tracteur et attelez-y le cultivateur qui se trouve derrière lui. On a un nouveau modèle, hein, de tracteur, un New Holland. On va atteler l'équipement tout de suite. Regardez la terre, la texture de la terre. Regardez, là, on n'a rien. Oh, c'est trop réaliste. Bon, on va encore embaucher quelqu'un. Là, j'ai engagé un ouvrier et on va passer au véhicule suivant. On va atteler le truc à mon avis. C'est fait. La machine à ensemencer que vous verrez que vous venez d'atteler est déjà remplie. Une fois à court de semences, il faudra la remplir à l'aide d'un sac de graines.
Vous commencez avec 2 sacs dans votre ferme. Lorsqu'ils seront vides, vous devrez en racheter au magasin. Bon, c'est assez logique. Le moment est venu d'ensemencer. Sélectionnez la semence que vous voulez utiliser. Activez la machine à ensemencer. Baissez-la et parcourez le champ. Donc on va faire ça. On va sélectionner la semence. Baisser l'équipement et allumer. Ok. On peut changer. Moi, je vais rester sur le blé. On va la baisser. Je vais essayer de me mettre bien comme il faut. Ah ben, je viens de voir qu'il y a une vue intérieure, regardez. On voit pas le perso, mais ça, c'est pas très important. En tout cas, c'est bien détaillé. Ça m'a l'air de fonctionner. Je vais engager un ouvrier. Je vais atteler la remorque et me diriger sur le point d'interrogation. Dès que la trémie de la moissonneuse est pleine, ou même avant, vous pouvez décharger son contenu dans une remorque. Montez dans le tracteur et attelez-y la remorque. C'est fait. Longez votre moissonneuse du côté gauche jusqu'à ce que votre remorque arrive à son niveau. La buse va se déplier et si votre positionnement est bon, le blé commencera à se vider automatiquement. Donc on va y aller. En vue intérieure. Merveilleux, le blé est maintenant déchargé dans la remorque. Quand ce sera fini, dirigez votre tracteur et votre remorque à l'endroit indiqué sur votre carte et activez le point d'interrogation qui est affiché. Bon, je vais le rattraper. Excusez-moi. Il n'a pas de blé à me donner. J'aimerais bien qu'il me donne du blé. Mince. Compliqué. Ah, elle se déplie la buse. Ah, enfin. Je vais essayer de faire en sorte qu'il la remplisse. Ça m'a l'air bon. Ah, on peut mettre une bâche. Bah, je vais la mettre. Voilà, donc me revoilà. On va tout de suite se diriger au point. Alors, il est où? On va se mettre en vue FPS. En première personne. Je
Je vois qu'on a des rétroviseurs fonctionnels. En tout cas, les décors sont vraiment pas mal. En même temps, je vous laisse voir la carte. On a aussi des voies ferrées. Et je crois que si je me trompe pas, regardez. Si on va là, on peut activer les gyrophares. Ça, j'avais vu ça un jour en regardant une vidéo de gameplay. Et ça, c'est vraiment très réaliste. Bon, là, on va tourner. On va se diriger ici. Ce point de vente fait partie des endroits sur la carte où vous pourrez vendre votre récolte. Vous pouvez consulter les prix actuels de tous les produits en ouvrant le menu et en sélectionnant l'écran prix. Donc voyons voir ça. Déplacez le tracteur afin que la remorque soit située juste au-dessus de la fosse, d'accord. Dès que le symbole de déchargement apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran, vous pourrez décharger le blé. Donc voyons voir les prix. Non. Est-ce que je me suis trompée? Je sais pas, j'ai pas le temps noir. Déjà, je vais enlever la bâche. Voilà. J'essaie de bien viser. Ok, j'ai l'icône qui s'est affichée. Je vais me mettre là. Regardez. Beau travail, la vente de vos récoltes est le meilleur moyen de gagner de l'argent en tant qu'agriculteur. À présent, rendez-vous au magasin où vous attend le dernier point d'interrogation. Là encore, un anneau vert clignotant vous indique sa position. Donc là, on va continuer. Je vais laisser les gyrophares parce qu'on a la remorque. Et on va se mettre en vue première personne. On voit bien les décors en tout cas. On va avancer. En tout cas, j'espère vraiment que ça fait plaisir à l'abonné que je lance la série. Ah, je vois le point. Je vois qu'on a des gens, des voitures, c'est vraiment animé. Voici l'endroit où vous pouvez vendre vos véhicules et outils ou acheter du nouveau matériel. Vous pouvez visiter le magasin en personne en activant le symbole du magasin qui se trouve à l'entrée ou passer par le menu du magasin. La visite est maintenant terminée. Pour plus d'informations sur des éléments spécifiques du jeu, cliquez sur les points d'interrogation qui leur sont associés. Pour plus d'informations sur le jeu en général, consultez les didacticiels présents dans le menu principal. Bonne chance et amusez-vous bien dans le monde fantastique de l'agriculture.
Donc les amis, nous avons terminé le tutoriel de départ. Donc à mon avis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que voilà, le tutoriel, ça nous suffit. Ça fait déjà quand même pas mal de temps que je tourne, je crois. Dans le deuxième épisode, on avancera. On essaiera de développer notre affaire et de continuer à étendre nos champs. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci à l'abonné d'avoir proposé ce jeu. C'est une excellente idée. J'espère que ça lui fait plaisir que la série arrive. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le YouTuber du 31. À très bientôt pour un retour dans la ferme. Bye bye tout le monde.